Bonjour YouTube, ici Victor et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on fait avant votre arrivée à bord. Qu'est-ce que les agents de bord font? Vous les voyez parfois arriver à la barrière et puis ils disparaissent dans l'avion. Est-ce qu'on prend une tasse de thé? Est-ce qu'on est juste en train de se raconter les derniers potins? Ou est-ce qu'on fait vraiment quelque chose d'important? Eh bien, je vais vous donner tous les détails. Bienvenue à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et toutes les semaines je donne des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Et cette semaine je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on fait en tant qu'agent de bord. Donc si vous aspirez à devenir agent de bord, ça pourrait vous intéresser. Sinon, de toute façon, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe un petit peu de l'autre côté de la barrière. Donc vous arrivez à l'embarquement, vous dites d'être à la barrière une heure avant le départ. Vous risquez de nous voir en train de parler un petit peu, puis on disparaît dans l'avion. Et qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps-là, puisqu'il va se passer un bon 20 à 25 minutes avant qu'on commence l'embarquement. Alors on va revenir un petit peu en arrière, je vais vous expliquer un petit peu quel est le processus pré-embarquement, puisque c'est le moment le plus occupé de la journée pour nous. Donc si mon vol aujourd'hui c'est un long voyage et que je vais passer une nuit en escale quelque part, je vais envoyer une feuille de briefing la veille à mes agents de bord, je vais leur donner leur position, leur dire exactement où est-ce qu'ils travaillent dans la cabine, leur donner une idée un petit peu du taux de remplissage, donc combien de passagers dans chacune des cabines, et puis aussi ce qui est très important, je vais leur dire quel est leur tour de repos. Peut-être vous ne le savez pas, mais lorsque on est sur un long vol, et en général il y a deux services de repas, entre les deux services de repas, je vais diviser cette période en deux et la moitié de l'équipage va aller dormir dans le plafond pendant que l'autre moitié va travailler, et ensuite on va inverser pour qu'on ait tous un tour dans les postes de repos. Si vous voulez en savoir plus sur les postes de repos, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien qui va se trouver par ici, et puis sinon vous l'aurez à la fin de la vidéo et dans la barre d'infos. Donc c'est important que les agents de bord sachent s'ils sont de première ou de deuxième garde, de manière à ce qu'ils puissent préparer leur sommeil et ajuster leur sommeil correctement auparavant. Après c'est leur responsabilité, mais moi j'essaie toujours de donner l'information 24 heures à l'avance. Si par contre c'est un vol journée, c'est-à-dire que je m'en vais quelque part, ça va être un vol de 3 heures, une heure en escale et on revient directement, dans ce cas-là il n'y a pas de poste de repos, donc ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir l'information tellement à l'avance. Donc j'arrive à l'aéroport, en général je vais aller enregistrer mon bagage et puis après moi je vais aller dans le bureau et je vais finaliser ma feuille de briefing et préparer mon vol. Donc on va me donner toutes les informations nécessaires avec le nombre de passagers, le nombre de fauteuils roulants et parfois il peut y en avoir beaucoup. De tous ces détails-là, je vais avoir les informations sur mon appareil spécifiquement et puis certains agents de bord vont aussi venir au bureau, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, on doit tous être à la barrière de départ une heure avant l'heure de décollage. Certaines compagnies vont avoir un processus qui aussi, ça dépend des aéroports. Je sais que par exemple mes collègues d'Air France, lorsqu'ils partent de Paris Charles de Gaulle, Air France a des bureaux qui sont juste de l'autre côté de la piste, et donc ils vont faire leur briefing directement dans ces bureaux et ensuite on va être acheminé à l'avion par bus. Dans mon cas, nous, une heure avant le départ, 60 minutes, on est à la barrière et on va tous se retrouver. C'est là que je vais donner la feuille finale avec le briefing papier, donc le nombre final de passagers dans chacune des cabines, le nombre de fauteuils roulants, le nombre de repas spéciaux, d'enfants voyageant seuls, il y a plein d'informations. Et puis, on va faire un briefing verbal. Le briefing verbal doit durer 6 minutes, donc ça va très vite, mais j'ai plusieurs points que je dois couvrir absolument. Le premier, ça va être tout ce qui va être commercial. Qu'est-ce qui se passe de nouveau dans ma compagnie? Est-ce qu'il y a des nouvelles routes? Est-ce qu'il y a des nouvelles procédures? Est-ce qu'il y a des nouveaux équipements? Toutes ces choses-là, je vais en profiter pour les couvrir, donc je vais toujours essayer de faire ça dans le genre d'une discussion. Je ne vais pas leur balancer plein d'informations, mais je vais poser des questions. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Et si quelqu'un a un peu d'informations, je vais l'inviter à parler, tout en gardant un œil sur ma montre. Ensuite, deuxième partie du briefing, on doit parler du côté sécurité. Et ça, c'est obligatoire. Donc, on reçoit tous les mois une liste de choses qu'on peut couvrir pendant nos briefings. Donc, un exemple, si jamais les masques à oxygène tombent, tous les agents de bord ont une procédure spécifique à suivre, quel que soit l'endroit où on se trouve dans la cabine. C'est la même. Il y a 14 points et on doit les respecter à la lettre. Ce qui fait qu'on n'a pas essayé de deviner un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire. Et donc, parfois, dans ma liste, ça va être, OK, décompression, quelle est la première chose à faire? Et ensuite, quelle est la deuxième? Et on va en profiter pour tous participer. Le troisième point, ça va être médical, donc je vais donner un scénario. Un passager a l'air un petit peu faible, il a les lèvres très bleues, il parle très doucement, quels pourraient être les symptômes? Donc on va essayer de trouver ensemble quels pourraient être ces symptômes et quel est le traitement qu'on doit donner. Bien sûr, on n'est pas médecin, mais on va se fier aux informations qu'on nous a données lors de nos formations de premiers soins. Tout ça compressé en 6 minutes, lorsqu'on a terminé, on s'en va dans l'avion. On a une minute pour ouvrir notre valise cabine et sortir les choses dont on va avoir besoin pendant le vol. Et puis là, le rush va vraiment commencer. Donc ce qui peut arriver, c'est qu'autour de nous, le ménage ne soit pas encore fait ou parfois même pas commencé. En général, bien souvent, il est commencé. C'est pas de la faute des gens de ménage. Il se peut que notre appareil soit arrivé en retard et donc il fallait attendre que tous les passagers soient sortis pour commencer le ménage. Il se peut qu'un autre appareil soit arrivé en retard mais que lui doive repartir avant nous.
nous. Donc on a mis plus de gens de ménage sur cet autre appareil et ensuite on en a mis moins sur nous. Donc ça, on a pris du retard. Donc en général, nous, on va essayer de les aider. Mais avant de les aider, on a d'autres choses à faire. Première chose, on va vérifier tous nos équipements de sécurité. On a tous une position spécifique dans l'avion que j'ai assignée pendant le briefing. Donc moi, en tant que chef de cabine principal, je suis toujours à la porte avant, à la porte 1 qui se trouve sur la gauche. Et donc, j'ai une vingtaine d'équipements à aller vérifier. Donc ça va, des bonbonnes d'oxygène, des extincteurs, du défibrillateur, des choses qui doivent simplement être là ou des choses sur lesquelles je dois vérifier est-ce que l'appareil soit complètement chargé ou est-ce que la bonbonne soit complètement remplie. Donc on a tous notre liste de choses à faire pour que tous les équipements de sécurité de l'avion aient été vérifiés. Et ensuite, on peut commencer à aider les gens de ménage s'ils ont besoin d'aide pour qu'on termine le plus rapidement possible. Parallèlement, le catering, ce qu'on appelle en bon français le commissariat aérien, va avoir éventuellement retiré les chariots des vols précédents et va avoir mis les nouveaux chariots. Et là, nous, on doit vérifier ce qu'on a absolument tout ce qu'on a besoin. Parce que des erreurs, ça peut arriver. Il peut manquer des plateaux repas, il peut manquer simplement des petites cuillères. Donc, on doit absolument tout vérifier pour s'assurer à ce que tout soit là, parce que l'autre fois qu'on est en vol, on peut rien trouver. Il y a à peu près une semaine, je faisais un vol vers Tokyo et dans le chariot du bar, en classe affaires, il y avait un tiroir, mais le tiroir du haut était complètement vide. Et en le regardant, normalement, c'est celui où on a tous les spiritueux. Donc, je préviens la personne du catering rapidement. Je lui dis, écoutez, il manque les spiritueux. Et il me dit, est-ce que tu en as vraiment besoin? Je dis, là, qu'est-ce que tu penses? J'ai des gens qui ont payé plus de 3 000 $ pour être assis dans ce siège-là. Je dois être capable de leur donner un gin and tonic ou un bourbon ou n'importe quel autre alcool ou un verre de whisky. Donc oui, il faut aller le chercher. Simplement, son entrepôt, lui, il se trouve de l'autre côté de l'aéroport. Et lorsqu'il doit y aller, après en revenant, il doit passer aussi par le filtre de sécurité. Et donc, il peut avoir une file d'attente de camions qui veulent rentrer autour des pistes. Et ça peut retarder le vol. Donc c'est pour ça que c'est important à ce qu'on fasse des vérification au plus tôt possible. Donc une fois que tous les gens de ménage sont partis, et là on va faire nos vérifications de sécurité. On a vérifié les équipements, maintenant on va vérifier est-ce qu'il n'y ait pas d'objets suspects dans la cabine. Donc on va ouvrir tous les placards, on va ouvrir toutes les portes, on va vérifier partout et on va faire vraiment une fouille complète de l'avion pour vérifier est-ce qu'il n'y a rien de suspect ou rien qui ne devrait pas être là. Donc on va espérer à ce que la cabine soit prête et on va commencer l'embarquement des passagers qui ont besoin d'assistance. Donc ça va être les chaises roulantes, et parfois on peut en avoir beaucoup. Sur un Singapour, il est très fréquent d'en avoir entre 20 et 25, donc ça prend du temps d'installer 20 à 25 personnes qui marchent doucement, qui veulent comporter leur sac, il faut les accompagner à leur siège, etc. Il faut prendre le temps pour chacun d'entre eux, mais j'ai pas 25 agents de bord, hein. on est 10 à bord, donc on ne peut pas tous être dans la même allée avec les mêmes personnes. Ça va être les enfants qui voyagent seuls également, donc il va falloir leur donner un briefing, leur rappeler les équipements de sécurité, où se trouvent leurs gilets de sauvetage, les masques à oxygène, les rassurer, leur montrer au sein de toilette comment appeler un agent de bord. Ça va être toutes les familles, etc. Et ensuite, on va commencer l'embarquement des passagers des classes premium, donc de la classe affaires, de la classe premium économie, et ensuite embarquement général. Donc là, on est à peu près 30 minutes avant le départ, et les passagers commencent à rentrer. En embarquement général, sur un avion de 350 passagers, ça prend, si tout se passe bien, ça se fait en à peu près une vingtaine de minutes. Mais ça dépend du nombre de portes qui nous sont disponibles. Dans certains aéroports, on peut embarquer par 2 portes dans l'avion à l'avant. Dans certains aéroports, c'est seulement une seule. Donc évidemment, ça va ralentir le flot. On va espérer que les passagers s'installent rapidement et que tout le monde arrive à bord. Évidemment, il y a toujours la surprise. Il manque un passager. On va le chercher. On va vérifier s'il n'est pas à bord, mais pas dans son siège. Et peut-être que la carte d'embarquement est mal scannée. Donc les agents au sol vont rentrer dans l'avion et commencer à essayer de le trouver. Et puis, éventuellement, si on ne trouve pas, on va faire des annonces dans l'aéroport. Et si vraiment on n'arrive pas à le trouver, il faut vérifier s'il n'a pas un bagage dans la soute. Parce qu'évidemment, les bagages ne voyagent pas sur leur propriétaire. Évidemment, bien sûr, son bagage ne va pas être près de la porte de la soute, mais il va se trouver au fond. Donc, il va falloir décharger le cargo, sortir sa valise et ensuite recharger le reste du cargo. Et c'est à ce moment-là, évidemment, comme d'habitude, que le passager va arriver à la porte. Mais dans ce cas-là, c'est trop tard. Tout ça, ça prend du temps. Et moi, mon rôle en tant que chef de cabine principal, c'est garder un œil sur ma montre en permanence pour m'assurer à ce que on ne retarde pas le vol, que tout se passe dans les temps. Une fois que tous les passagers sont à bord, que tout le monde est assis, que les coffres à bagages sont fermés, je vais appeler le commandant de bord, demander si j'ai la permission de fermer la porte. Dans ce cas-là, en général, lui, il a une liste à vérifier, mais bien souvent les grosses choses, c'est vérifier à ce que le carburant soit à bord, puisque si on n'a pas fini de recharger le carburant, il faut attendre, puisque la personne qui recharge le carburant vient faire signer le capitaine, j'imagine, de la facture. Donc il faut attendre que le carburant soit terminé, et puis aussi que les soutes soient fermées.
Une fois que j'ai la permission de fermer la porte, en général, on est 5 minutes avant l'heure du départ, je vais faire les annonces de bienvenue, on va commencer à faire les démonstrations de sécurité et puis on va sécuriser la cabine. Alors, sécuriser la cabine, c'est s'assurer à ce que tout le monde a sa ceinture de sécurité. Je le sais, on l'a dit dans l'annonce qu'il fallait attacher sa ceinture, on l'a dit dans la démonstration de sécurité, mais vous assurez qu'il y a toujours au moins une dizaine de passagers qui n'ont pas leur ceinture à bord. Donc, c'est sûr à ce que les ceintures soient attachées et les hublots soient ouverts pour qu'on puisse voir à l'extérieur si jamais il y a un problème, que les tablettes soient rangées. Et puis surtout, autre chose de très importante, c'est est-ce que tous les bagages à main soient rangés de manière sécuritaire. Et pourquoi ? J'en avais déjà parlé une fois, mais n'oubliez pas que si jamais on doit évacuer un avion en cas d'urgence, on a 90 secondes pour le faire en utilisant seulement la moitié des portes, donc une porte sur deux. Parce qu'imaginons qu'il y a un feu d'un côté, ben, on ne va pas sortir du côté du feu. Si vous voulez en savoir plus sur une évacuation en 90 secondes, j'ai fait une vidéo qui dure 90 secondes. Je vais vous mettre également le lien par ici ou à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos. Tous les bagages, les angles de bagages, les bagages que vous avez derrière vos jambes, tout ça, ça devient quelque chose qui pourrait bloquer votre évacuation, vous pourriez vous prendre les pieds dedans, etc. Donc les bagages doivent bien être rangés sous les sièges. Donc on a pas mal de choses à vérifier pour chacun des sièges, chacun des passagers individuellement. Une fois que la cabine est sécuritaire, les agents de bord vont me le confirmer et moi je vais appeler le cockpit, enfin je vais leur envoyer un message en disant la cabine est sécurisée, on peut partir. Et là c'est l'écollage et pendant ces 10 minutes d'ascension, c'est là où je vais pouvoir un petit peu souffler parce que cette première heure, comme vous le voyez, c'est passé énormément de choses et ça a été pas mal occupé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un pouce vers le haut, vous pouvez aussi la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton rond qui se trouve par ici. Je vous ai mis les liens sur d'autres vidéos que j'ai fait dont je vous ai parlé, donc celle de nos postes de repos et puis également celle sur l'évacuation en 90 secondes. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde dans les mois qui viennent, ça me fera plaisir. Je fais ces vidéos pour vous, pour vous éduquer, mais aussi pour moi, parce que ça permet de m'éduquer également, puisque je dois souvent faire des recherches. Aujourd'hui, c'est mon métier tous les jours, donc j'ai pas de recherche à faire, mais lorsque vous me demandez de parler d'ingestion d'un oiseau ou de choses comme ça, je dois faire des recherches et donc ça permet moi de m'éduquer et de connaître encore mieux mon environnement. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires les vidéos que vous voudriez que je fasse et puis je les mettrai dans le planning pour les deux mois prochains. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt. Salut.